Eh bien, salut tout le monde, c'est Maskass, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo sur PvZ2 et dans cette vidéo, on va tout simplement faire le nouveau mode de jeu donc disponible dans l'hôtel de ville. J'ai fait à peu près 3 ou 4 parties sur papier. Ça me semblait plutôt bon et niveau gameplay, c'est vraiment pas terrible du tout. Donc on va voir les détails tout de suite. Cactus et Mordeur assiègent le fort défendu par le zombie sportif et le général Supremo. Les deux camps ont des munitions illimitées et les dégâts infligent des super projections. La bataille promet d'être complètement déjantée. Alors comme la description l'indique, c'est donc les zombies qui doivent défendre. Puisque Cactus et Mordeur assiègent le fort défendu par le zombie sportif et les généraux Supremo. Donc c'est de l'assaut végétal. En effet, j'ai fait 4 parties, donc 2 fois sur base Lunaire Z et 2 fois sur Zomberbia. Et franchement, côté zombie, eh ben, on est nettement supérieur par rapport aux plantes. C'est un peu dommage, sur base Lunaire Z en défense, donc j'étais avec les zombies. On a réussi à garder donc le premier cimetière. Côté plante, on a réussi à capturer le premier cimetière. Sur Zomberbia, j'ai donc réussi à garder le premier cimetière côté zombie. Et malheureusement, côté plante, on n'a pas réussi à capturer un seul cimetière. Donc c'est un peu problématique, je trouve. Peut-être que dans cette vidéo, peut-être que ça va changer. Peut-être que les plantes vont réussir à aller jusqu'au bout. Mais je ne pense pas. En tout cas, on va voir ça assez rapidement. Donc, concernant les paramètres dingo, munitions infinies et le mode super projection. Sur le papier, je me suis dit super projection. Bon, pourquoi pas. C'est vrai qu'on le voit énormément en ce moment. Et munitions infinies, je trouvais ça quand même plutôt plaisant. Malheureusement, mais le mordeur, munitions infinies, qu'est-ce qu'on peut faire Peut-être si que de la glu, je sais pas ça. Par contre, ça a vérifié. J'ai utilisé les trois autres persos, sauf le mordeur. Franchement, je suis un peu déçu. Voilà, le cactus, c'est vrai que c'est un bon personnage, mais pour attaquer, c'est un peu compliqué quand même. Donc là, voilà, on va prendre le cactus pour commencer la partie. Au pire, on changera peut-être avec le mordeur. Donc nous voici une nouvelle fois. Donc j'étais à l'instant sur Zomberbia en plus. Donc on va voir ce que ça donne. Ce que ça donne ici. Malheureusement, j'ai bien peur que l'on réussisse pas à capturer. Donc rien que le premier cimetière déjà, je pense que ça va être compliqué. Au pire, si ça dure pas longtemps, la partie, je lancerai donc côté... Aïe aïe aïe. Côté zombie cette fois-ci. Ah peut-être, peut-être. Alors si on capture, la prochaine fois je me tairai parce que là. Oula, par contre il y a énormément de monde sur le toit, je vais sortir le drone. Alors, pour revenir justement à la défense. Donc côté cactus et mordeur. Pour moi, ce ne sont pas des personnages qui sont des attaquants au final. Et côté zombie, c'est un peu la même chose. Mais le truc c'est que il tire quand même plutôt rapidement alors que le cactus reste. Tout de même un sniper, donc il y a une cadence de tir plutôt faible au final. Donc c'est un peu bizarre leur mode de jeu. C'est vrai que sur le papier je trouvais ça plutôt cool. Et franchement, à jouer comme ça, c'est pas ouf. C'est pas ouf et franchement je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu et bon ça change pas. Hein. Je suis souvent déçu sur PvZ2 concernant les nouveautés. C'est un peu des modes de jeu. En plus ça leur coûte rien. Enfin c'est pas compliqué j'imagine à faire tout ça, mais voilà, il pourrait au moins, peut-être gérer un peu plus le truc pour que ça soit un peu plus plaisant. Aïe 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 aïe. Et oui. Bon, il a réussi à le bouffer le pote mordeur. Malheureusement, j'ai pas fait d'élimination partagée. C'est un peu dommage. Alors c'est vrai qu'on voit énormément de Général Supremo. Ça tombe bien puisque je l'ai pas maxé. Mais perso, voilà, je pense qu'après la vidéo, je vais pas forcément jouer à ce mode de jeu, puisque je le trouve pas excellent non plus. Sur le papier, il était bon. Pour moi, il était bon. Mais je pense qu'ils auraient pas dû mettre ces 4 classes. Ils auraient pu éventuellement en mettre d'autres ou en mettre plus. Soit en mettre plus, soit les changer, puisque là, c'est surtout ce mode super projection qui fait que quand on est sur un ennemi, voilà, il est projeté et du coup, on peut pas le terminer. Bon, à part ici où j'ai pu le terminer, mais c'est pas souvent, quoi. C'est pas souvent et c'est un peu dommage. C'est un peu dommage, ça reste quand même plaisant, mais c'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Là, j'ai peut-être... Il y a peut-être moyen, là. Oh, il y en a un qui était au-dessus, là. Peut-être l'avoir, celui-là.
Allez hop, ça dégage. Oh, pas mal ça, pas mal. Alors, le mode super projection, c'est vrai que bah, quand on est sur un ennemi, c'est vrai qu'il peut avoir du mal, énormément de mal même, à revenir dans le combat. Et donc c'est que comme ça qu'on peut le terminer. Donc faut que j'essaye le mordeur. Je me demande s'il a pas les la glu illimitée. Oh, ça serait terrible, ça serait vraiment terrible. Et bah, et au final, ça se passe quand même plutôt bien. Ça se passe même très très bien. Il y en a un qui est derrière ou bien? Non. Non, j'hallucine. J'hallucine. Ok, allez, faut qu'on capture. Là, ça serait bien. Ça serait bien que ça dure un tout petit peu plus longtemps. Il y a que du général supremo ou du sportif. Donc au final, ça peut être handicapant. Donc pour les zombies, mais ça peut être handicapant justement pour nous. On n'a pas de tournesol. Et bah franchement, une petite série de 11, ma foi, ça se passe quand même très très bien. Je vais ressortir une nouvelle fois mon drone. Je suis plutôt satisfait. Alors forcément, quand on fait de bonnes parties, on dit que le mode de jeu est bien. Quand on fait une partie de merde, on dit que le mode de jeu est pourri. Mais c'est un peu vrai. Là, voilà, bon, je veux pas dire que je prends un réel plaisir non plus à faire ce gameplay. Ça reste du PVZ, bien sûr, j'adore ça. Mais le mode de jeu, ouais, il est pas ouf. Il est pas excellent, mais voilà, ça a le mérite d'être là. Allez, petite série de 12, ça fait plaisir. Il a été englué en plus. C'est vrai que ce mode de jeu, c'est pas le meilleur que l'on a vu, que l'on ait vu sur le jeu. J'aimerais vraiment qu'ils remettent les 1 PV. Je croyais que c'était énorme. Je faisais forcément de bonnes parties, puisque bah, une balle et l'ennemi est tué. Donc c'est ça qui était plutôt bon. Super projection, c'est sympa. Mais je trouve qu'on a trop eu ce paramètre là depuis peu là. C'est vrai qu'on a énormément cette super projection, donc c'est un peu dommage. Oh bah dis donc, la précision, pou, 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 pou. C'est dégueulasse. Ouais, ouais, ouais. J'ai mis une mine. Je pense qu'il croyait que c'était moi en face peut-être, non? Allez, carotte mon pote, allez, petite série de 15. Et bah je vais sortir le drone puisque je risquerais de me faire arracher. Donc ce que je racontais donc en début de vidéo, c'est vrai que sur les 4 parties que j'ai faites, malheureusement, côté plante, on a réussi à capturer très peu de cimetières, donc c'est un peu dommage. Côté zombie, forcément, on a réussi à protéger quasiment la totalité des cimetières, donc c'est un peu peut-être le défaut du mode de jeu. Par contre, c'est dommage, j'aurais pu éventuellement faire un carnage, ça lag. Ouais, ça doit laguer. J'aurais pu faire un carnage avec mon attaque. Ok, oh, ça aurait été magnifique ici. Téléportation. Alors là, par contre, ça, c'est vraiment le gros. Enfin, un des gros défauts du jeu aussi, c'est que, bah, comme moi, je suis en série de 15, non, 17, je crois. Série de 17, on est téléporté automatiquement pour je ne sais quelle raison. Peut-être que je suis trop loin, mais ça m'est arrivé d'être encore plus loin que ça. Donc je sais pas pourquoi, enfin ça casse un peu le truc. Aïe aïe aïe, ça lag. Voilà, je pense que quelqu'un qui est en série, s'il est téléporté comme ça en plein cœur du combat, eh ben voilà, tu peux perdre. On peut péter ta série à cause de ça, donc je trouve ça vraiment dommage. Là, par contre j'ai mis 62 dégâts, il y a peut-être moyen de le tuer. Ouais, ok, petite série de 18. Ça fait plaisir, franchement. Ça fait plaisir. J'aimerais bien éventuellement mourir pour tester le mordeur. Non, je pensais que c'était un scientifique, mais non, il n'y a pas de scientifique dans ce mode de jeu. Je vais sortir mon drone. Ouais, c'est un peu risqué. Mais bon, ça capture, donc je pense que les zombies vont tenter de défendre. Quoique, s'ils s'en foutent de l'objectif, je risquerai de me faire éclater. Par contre, ouais.
Ah, j'ai pas eu le temps. Ah, j'ai voulu me remettre droit. Aïe, 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 dommage. J'aurais pu éventuellement faire peut-être un petit massacre. Il y en avait quelques-uns qui étaient au-dessus, ici, là. Alors, voilà, c'est ce que je pensais réellement. C'est à chaque fois que ça m'était arrivé aussi sur un autre mode de jeu. Concernant peut-être les tournesols face aux sportifs, hein, c'est un mode de jeu que l'on avait eu. J'avais dit que les sportifs étaient beaucoup trop efficaces par rapport au tournesol. Et dans la vidéo, j'avais réussi côté tournesol à gagner la partie. Donc parfois, je devrais me taire un peu plus souvent, puisque ici, au final, pour moi, les zombies sont quand même supérieurs aux plantes. Mais voilà, ici, c'est l'inverse. Donc c'est cool. C'est cool. Alors est-ce que je vais faire côté zombie? Je pense pas. Je pense pas. Je vais pas faire, je pense, deux vidéos sur le même mode de jeu. Je pense que ça vaut pas le coup. Je pense qu'on a compris un peu l'essentiel du mode de jeu. On aime ou on n'aime pas. Moi, je suis un peu perplexe quand même. Je le trouve pas oufissime. Je le trouve pas nul. Mais personnellement, j'ai vu mieux. J'ai vu beaucoup mieux comme mode de jeu. Donc c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Toi, par contre, je vais te défoncer. Oh, je pensais qu'il me visait moi, mais non. Alors forcément avec le cactus, hein, il y a toujours un moyen de faire de bonnes séries. Allez, allez, allez. Ouais. Alors par contre, le général Supremo, c'est vrai qu'il tire quand même plutôt rapidement. Plutôt rapidement. Et du coup, voilà, c'est quand même nettement facile, nettement plus simple, hein, de détruire un drone que éventuellement le sportif. C'est peut-être pour ça qu'ils nous ont mis le général Supremo, qui puisse défoncer les drones plutôt rapidement. Allez, petite série de 21. Ah, j'adore. J'aime beaucoup faire de grosses séries. Toi, tu décampes là-haut? Non? Tu veux pas? Voilà, c'est ce que je dis. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est vrai que. Mais quand on est pris pour cible, pour retourner dans le combat, avec cette super projection, c'est quand même plutôt difficile, hein, de revenir. Généralement, on revient, mais on est quasiment mort. Et voilà, côté zombie, je pense que le plus important, c'est de résister quand même au maximum, puisque on est projeté, du coup, pour protéger le cimetière, c'est quand même plutôt difficile. Yes, nickel. Allez, on continue comme ça. Ouais, il me tirait dessus. J'ai pris un peu de dégâts, mais c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Bon, au final, 26 éliminations, série de 25, je crois. C'est vraiment pas mal. Ok, ça c'est bon, nos scopes en plus. Toi. Ok, allez. Allez, on continue la série. Alors, je suis assez étonné quand même de la partie, puisque le cactus, hein, comme je disais, c'est vraiment un personnage qui se joue un peu à distance au final, puisque c'est un sniper. Et au final, les potes font le café, hein. Sincèrement, ils font très bien le café. Là, par contre, le sportif, il va peut-être se calmer. Il a défoncé un de mes potes. Oula. Ouais, faut pas qu'il me tire dessus. Alors, est-ce que j'interagis avec... Voilà. Ok, donc il avait plus rien. C'est parfait. C'est très très bien. Galerie. Interagir, ok. Bibliothèque. Bon, ça se passe quand même très très bien. Franchement. Ouais. Non, va pas dans le nuage puant. Il est con, lui. Il est con. Et non, non, le pire dans tout ça, c'est qu'il va. Il va mourir, non? Il est pas mort? Hop, 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 hop! Oh, j'ai failli mourir. Là, par contre, je suis bientôt mort. Je suis bientôt mort. Ouais, une balle et je suis mort. Quasiment. Ok. La petite série de 30, ma foi. Ma foi. Ça se passe quand même très très bien.
Et on a gagné. On a gagné, j'y crois pas. J'y crois pas, je suis arrivé au tout début de la partie, hein. Il restait un peu plus de 3 minutes, je crois, sur le premier cimetière. Franchement, je sais pas pourquoi. Quand j'ai dit que c'était quand même très compliqué de capturer donc les cimetières côté plante, je me suis dit dans la vidéo, à tous les coups, on va réussir à aller jusqu'au bout. Et au final, on a réussi à gagner en plus de ça. Donc on a été au bout, mais de plus, on a gagné. Donc c'est parfait, 6 à 0. On va s'ouvrir un petit pack. On va aussi s'ouvrir un petit coffre à 50 étoiles. Arc-en-ciel. Et franchement, 31 éliminations, une série de 30. Et ben ma foi, c'était vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Alors, je voulais jouer avec le mordeur. Du coup, ça sera pas pour aujourd'hui. Je pense pas refaire une autre vidéo. Vous me dites en tout cas dans les commentaires si vous voulez éventuellement voir côté, peut-être côté zombie, côté mordeur. Voilà, à vous de me dire dans l'espace commentaire. On va s'ouvrir quand même le coffre à 50 étoiles. Il me semble que j'ai assez, hein. J'ai pas regardé, mais j'étais à 39, il me semble. J'ai gagné 9 étoiles ici, j'en ai gagné 4 tout à l'heure, je crois. Donc voilà, on va pouvoir s'ouvrir un petit coffre à 50 étoiles arc-en-ciel en espérant peut-être débloquer un petite vignette d'un personnage, genre le citron de fer, Mordeur Disco, Toxicortex. Je sais pas si on peut les avoir dans ces coffres à 50 étoiles. Je pense que ça sera un peu la récompense, sachant que voilà, j'ai eu les 4 clés, les 4 épreuves de Gnomus, j'ai eu les 2 nouvelles classes. Je pense que voilà, c'est un peu la récompense. Fait de jouer à des modes aussi pourris que ceux-là, je pense que ça serait bien d'avoir une petite récompense un peu plus... un peu plus mieux, un peu meilleur quand même. Allez. Surprise, suspense. Allez, pack portail mystérieux rouge. L'arrosoir a un geste de tournesol et ensemble déguisement Da Vinci, super rare. Donc c'est le scientifique a priori. On va s'ouvrir peut-être un pack. Alors les packs à 15 000, avant j'avais 4 ou 5 accessoires. Et bah maintenant j'ai quasiment plus rien. Il me reste 2000 vignettes à collectionner et bah malheureusement c'est délicat. Alors ça c'est d'obtenir une pièce de personnage. Il manque le diablotin d'eau douce. Est-ce que ça marcherait? Est-ce que ça marcherait? Est-ce que je vais avoir la dernière vignette qui me manque? Et oh là là, c'est du foutage de gueule, vraiment. Hein. Autant je suis jamais content, autant ici c'est vraiment... mais vraiment dégueulasse. Ok, j'ai tous les personnages, j'ai tous les diablotins. Mais quand même, enfin, il me manque le diablotin d'eau douce. Et il me donne que du consommable pour 60 000 pièces. Et ici, limite, pour 3 fois moins cher, 4 fois moins cher. Eh bah ouais, j'ai un accessoire, quoi. C'est grave, c'est grave. En tout cas, je suis vexé. Vraiment, là, je suis vexé. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas le petit like et le commentaire. Et on se retrouve très, très rapidement pour d'autres vidéos sur ma chaîne. Ciao tout le monde.